règne du nouveau tram 13. Et oui, du nouveau tram 13, puisque ce tronçon de tram, en tout cas cette numérotation, a déjà existé depuis 1889, puisqu'en 1861, M. Charles Byrne avait déjà obtenu la première concession en Suisse. Changement de décor, nous sommes à l'autre extrémité du contournement de Plan-les-Ouates. Ici, c'est le portail du Bachette-Crozet. Derrière moi, vous avez le dépôt des TPG. Et actuellement, c'est la phase où on coupe la route de Saint-Julien pour franchir en sous-sol avec l'autoroute de contournement et la relier à la voie centrale, ce qu'on appelle la route des jeunes. Eh bien non, vous avez l'habitude pourtant de voir Canal 29 dans d'autres circonstances. Pour une fois, nous sommes vraiment au cœur d'un système d'eau. C'est une histoire d'eau. Ici, nous visitons la nouvelle grande cuve des services industriels, 20 000 m3 qui doivent desservir prioritairement le centre de la ville de Genève. Pont de Saint-Gervais, deuxième édition. Nous en sommes à celle de 1995. Alors c'est reparti pour toute une série d'événements qui vont se passer plutôt maintenant sur les quais avec des gondoles. Alors Christiane, qu'est-ce que tu as retiré d'une première visite? Eh bien, ce fut très rapide, c'était intéressant, il y avait énormément de monde.